On travaille avec des bandes dessinées, avec des dessinateurs ici du Danemark, qui nous aident à créer des bandes dessinées, des petits journaux quotidiens, où on peut voir les concepts et les discussions très techniques dans une langue visuelle, créative et différente. Donc, parce que si tous les gens se concentrent sur du texte en anglais, souvent ils ne sont même pas anglophones, c'est difficile à comprendre la qualité de tous ces concepts. Et cette langue visuelle nous aide à expliquer un peu mieux de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est en jeu et comment on peut trouver des solutions.